Les élèves sont sous pression, donc passent le bac sur 2 ans au lieu de passer le bac sur 1 année. Donc c'est compliqué pour eux et leur planning, enfin, leur emploi du temps est très, très compliqué à gérer. Des fois, ils n'ont même pas 20 minutes pour manger le midi. Donc ils sont sous pression sans cesse. Un élève qui est en terminale là, aujourd'hui, mais qui n'a pas le bac, donc il va redoubler. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que lui, il n'aura pas commencé sa première avec cette réforme. Donc, où est-ce qu'on va le mettre?